malheureusement dire un quart d'heure au moins avant, et puis on a peut-être des chances de... Tournicotti, tournicotta, tournicotta. Tournicotti, tournicotta, tournicotta. Les enfants voudraient bien écouter les histoires de... des histoires aux petits coquins. Tournicotti, tournicotta, tournicotta. Est-ce que vous voulez écouter les histoires de Pimpin le lapin? Oui. Tournicotti, tournicotta, tournicotta. Allez les petits coquins. Tilouli. Tilouli, Tilouli. Oh là 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 là, j'ai sommeil. Dire, je crois qu'aujourd'hui, on raconte des histoires de petits loups, de petits loups gentils. Tilouli, Tiloula, des histoires pour lui, des histoires pour toi, des histoires pour moi. Toc, toc, toc. Entrez. Qui peut bien vivre ici? On frappe à la porte? Toc, toc, toc. Entrez. C'est Monsieur Lapin qui nous invite à boire un chocolat chaud. On reste un petit peu avec lui? Qui peut bien vivre ici? Toc, toc, toc! Entrez! C'est la famille Sanglier qui organise un concert. Oh, et si on chantait avec eux? Qu'est-ce qu'on leur chante? Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris, pour trois loups sauvés, un de prix. Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris, pour trois loups sauvés, un de prix. Qui peut bien vivre ici? Toc, toc, toc! Entrez! C'est Madame Hérisson. Madame Hérisson qui fait des confitures. Oh, on se prépare une tartine? Qui peut bien vivre ici? Toc, toc, toc! Entrez! C'est Monsieur Serre. Monsieur Serre récite des comptines. On en chante une? Une souris verte qui courait dans l'herbe. Vous la connaissez cette chanson? Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Qui peut bien vivre ici? Toc, toc, toc. Entrez. C'est Monsieur Écureuil qui trie ses provisions pour l'hiver. On reste un petit moment pour compter avec lui. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Qui peut bien vivre ici?
Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. C'est le loup. C'est le loup, il a l'air d'avoir très faim. Oh, vite, on referme la porte. Toi, 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 moi, moi, moi. Toi, 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 moi, moi, moi. Toi, 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 moi, moi, moi. Cache tes mains ou le loup te mangera. On la refait ensemble? Toi, 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 moi, moi, moi. Toi, 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 moi, moi, moi. Toi, 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 moi, moi, moi. Cache tes mains ou le loup te mangera. Tournicoti, tournicota, tournicota. C'est les histoires de Pimpin le lapin. Des histoires de loup encore? Loup, où es-tu? Un grand loup rôde dans la forêt. Ensemble, essayons de le retrouver. Est-ce que vous reconnaissez ses oreilles? Ben non, ce sont les cimes des grands sapins bleus. On a trouvé des traces pas très loin d'ici. Est-ce que vous reconnaissez les pattes du loup? Ben non, ce sont d'adorables écureuils. Toujours pas vu le loup, mais lui peut-être qu'il nous regarde. Est-ce que ce sont les yeux du loup? Bon non, c'est un beau paon qui fait la roue. Si tu aperçois le loup, attention de ne pas te faire croquer les doigts. Est-ce que vous reconnaissez ses dents? Ce sont de belles feuilles d'automne. Le loup a été aperçu près de la rivière. Est-ce que vous reconnaissez la queue du loup? Et non, ce sont les poissons qui nagent dans la rivière. Le loup a été aperçu près de la clairière. Est-ce que vous reconnaissez son museau? Mais non, ce sont de jolis papillons qui volent dans la clairière. Le loup a-t-il disparu? Non. On va l'appeler. Hé, loup, où es-tu? Appelez-le. Loup, où es-tu? Je ne vous entends pas. Loup, où es-tu? Est-ce que c'est sa fourrure? Ah oui, c'est le loup. Papa loup, maman loup et bébé loup. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, je rêve. Mais comme il n'y est pas, il nous mange. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu, loup? Que fais-tu, loup? Hé, loup, qu'est-ce que tu fais? Je mets ma culotte. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu, loup? Que fais-tu, loup? Je mets pantalon. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous ment. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu, loup? Qu'est-ce que tu fais? Il a mis sa culotte, il a mis son pantalon. Il met son t-shirt. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu?
M'entends-tu? Que fait Toulou? Il a mis sa culotte, il a mis son pantalon, il a mis son t-shirt. Les bottes, un chapeau. Le loup met son chapeau. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup n'y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu, loup? Il a mis des chaussures? Non, j'ai pas entendu. Plus fort. Il a mis les chaussures. Il a mis ses chaussures. Attention, je crois qu'il est bientôt profond. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y est, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu, loup? Je mets mon sac et j'arrive. Tournicoti, tournicota, tournicota. Encore des petites histoires de Papa le Lapin? Le petit chaperon rouge. Des bottes rouges, un ciré rouge, deux petites couettes attachées avec des petits rubans rouges. C'est le chaperon rouge. Dans son sac à dos rouge, un paquet de farine et un pot de caramel au beurre salé. C'est pour qui? Tu crois? Non. C'est pour sa grand-mère, Pardi. Elle fait des crêpes d'enfer. Pour la retrouver, le petit chaperon rouge doit traverser le bois. Mais tout à coup, surgit le loup. Où vas-tu comme ça? Je vais chez ma grand-mère. Tiens, tiens. Elle est où sa maison? Ben, elle est là-bas, au bord du chemin. Sa boîte aux lettres est en forme de cœur rouge. Le loup part comme une fusée. Il trouve la maison trop facile. Toc, toc. C'est toi, ma petite fille? Demande la grand-mère. Entre, ma chérie. Tire la bobinette et la chevillette, je reprends. Le loup entre et il se jette sur la grand-mère. Il l'avale tout entier. Même ses lunettes. Il se couche dans le lit. Non. Il non, se non, cache non. sous les draps. Non. Et il entend frapper. Non. Toc, toc. Non. C'est toi, ma petite fille? Demande le loup. Oui. Répond le petit chaperon rouge. Non. Entre, ma chérie. Tire la clopinette et la cacahuète sautera. Non. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, grand-mère? Rien. Allez, viens près de moi. Le petit chaperon rouge. Comme tu as de grands yeux, Mamouna. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Comme tu as de grandes oreilles, Mamouna. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme tu as de grandes dents, Mamouna. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et cric, et crac, et croque, le loup avale le petit chaperon rouge, sauf ses bottes. Une grand-mère plus une petite fille, alors là ça fait beaucoup. Le loup se met à ronfler très très fort. Le facteur qui déposait une lettre dans la boîte l'entend. Bizarre, bizarre, se dit-il. Il ouvre la porte et il trouve le loup avec le ventre énorme. Bizarre, bizarre. Il prend son couteau, il fait sortir la grand-mère et la petite fille et à la place, il met une grosse pierre dans le ventre du loup. Forcément, le loup, ça l'a réveillé. Et alors, il a tellement soif,
qu'il court à la rivière. Mais il est tellement lourd, le loup, que plouf, il tombe dans la rivière. Et bloup, 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 il coule. Bien fait pour lui. Quant à la grand-mère, son petit séjour dans le ventre de loup lui a donné une faim de loup. Le petit chaperon rouge sort la farine et le pot de caramel au beurre salé. Et elles font quoi? Des crêpes. Des crêpes, Polly. Ha! Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris, pourquoi nous sauver un de prix? Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris, pourquoi nous sauver un de prix? Tournicotti, tournicotta, tournicotta. Encore une petite histoire de Pimpin le lapin? Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste? Comment tu fais, gros, toi? Vas-y, fais. Et toi, comment tu fais? Tu vois, toi? Je suis le loup. Grogne, petit cochon. Je suis le loup. T'inquiète, petite poule. Je suis le loup. Bel petit mouton. Je suis le loup. Clapi, petit lapin. Je suis le loup. Béguette, béguette, petite chèvre. Je suis le loup. Hurle le loup. Et je vais vous croquer. Qui a peur du grand méchant loup? Qui a peur du grand méchant loup? C'est moi. Oh, c'est toi? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, pas nous. Est-ce que le petit cochon a peur du grand méchant loup? Oui. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, pas nous. Non, le petit cochon n'a pas peur du grand méchant. Est-ce que petit mouton a peur du grand méchant loup? Non. Qui a peur du grand méchant loup? Allez, vous chantez avec moi. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, pas nous. Non, le petit mouton n'a pas peur du grand méchant loup. Non. Et le lapin, est-ce qu'il a peur du grand méchant loup? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, pas nous. Non, petit lapin n'a pas peur du grand méchant loup. Et ça, c'est qui? Madame Poulet? Madame Poule. Et ça, c'est Monsieur Coq. Est-ce que Madame Poule a peur du grand méchant loup? Non. Et Monsieur Coq? Non. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, pas nous. Est-ce que monsieur... Est-ce que monsieur Serpent a peur du grand méchant loup? Non. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, pas nous. Non, décidément, même le serpent n'a pas peur du loup. Et les enfants, est-ce qu'ils ont peur du loup? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, pas nous. Tournicotti, tournicotta, tournicotta. Une dernière histoire de Pimpin le lapin? Oui. Un loup
J'ai un long museau noir. Des dents pointues. Elles sont où vos dents? Fais voir. Des yeux brillants. Ils sont où tes yeux? Fais voir. Et des oreilles. Elles étaient là. Pointues. Des griffes à chaque patte. Oh, non, t'en as pas. Non. Pourtant, je ne suis pas celui que tu crois. J'ai une queue multicolore. Et une corne magique. Car je suis un loup-corne. J'aime courir sur les arcs-en-ciel. Et j'adore les cœurs et les bisous. Alors vite, embrasse-moi. Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris, pourquoi nous sauver un de prix? Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris, pourquoi nous sauver un de prix? Allez, on tape dans sa main, on chante ensemble. Allez. Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris, pourquoi nous sauver un de prix? Loup blanc, loup noir, loup vert, loup gris, pourquoi nous sauver? Tournicotis, tournicota, tournicotin, je crois bien que les histoires de Pimpin le lapin sont finies pour ce matin. Au revoir Pimpin. On lui dit au revoir? Au revoir Pimpin. À bientôt. Et voilà. Merci. On applaudit Céline. On aurait pu en raconter d'autres, hein.